Affranchis de la publicité, bienvenue à Zéro Pub. Vous savez sûrement, comme moi, que les gens n'ont pas tous besoin des mêmes argumentaires percutants pour prendre leur décision de faire affaire avec vous. En fait, il existe 4 profils psychologiques dans la prise de décision. Le premier, c'est l'analytique, par la suite l'extraverti, le décideur, l'aimable. Et je vous rassure tout de suite, mon objectif n'est pas de faire de la psychobonbon, c'est plus de vous aider en ajustant votre argumentaire par rapport à ces 4 profils d'individus-là. Et pour les reconnaître, c'est assez simple. Il existe un premier axe qui est l'analyse versus l'émotion. Comment prend-il sa décision? Par la suite, est-ce qu'il a besoin de consulter ou on dirait que la décision vient de lui-même, un peu comme si Dieu lui parlait. De ces deux axes, 4 profils se dessinent. Et ce qu'ont en commun, par exemple, l'analytique et le décideur, c'est qu'ils sont connectés sur la réflexion pour prendre leurs décisions, versus l'aimable et l'extraverti qui sont branchés sur leurs émotions. Maintenant, qu'est-ce qu'ont en commun l'analytique et l'aimable? Très simple, ils ont besoin de consulter. Ils consultent soit des documents ou soit des connaissances pour lesquelles ils ont confiance. Et le décideur versus l'extraverti, le décideur, lui a besoin de se connecter sur l'heuristique, sur ses données de référence propres, qu'est-ce qu'il a déjà vécu. Et l'extraverti, c'est sur la nouveauté, en fait, sur ce qui va l'intéresser lui personnellement. De ces 4 profils, vous serez en mesure de bien créer un argumentaire percutant. Maintenant, serez-vous en mesure de le faire vous-même?